tout se voit très beau depuis la hauteur. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais tout se voit très beau depuis la hauteur. Ok? Comment maintenant faire pour arriver à la hauteur? C'est ce que tu dois te présenter, te demander comme question. Je veux te dire quelque chose. Ça a été un combat, atteindre le niveau que j'ai atteint, mais ce n'est pas impossible. Ok? Et toi, peut-être comme entrepreneur qui est débutant, qui commence, tu as aussi envie de faire quelque chose de l'idée à l'action. Une fois de plus, de l'idée à l'action. J'ai beaucoup de gens qui me demandent tout le temps, hey, où ont été les meilleurs écrivains? Où sont les meilleurs politiciens? Où sont les meilleurs artistes? Ils sont morts avec leur idée, ils sont morts avec leur parce qu'ils avaient les meilleures idées, mais ils n'ont rien fait avec les idées. Ce livre que tu vois, La créativité dans le business, c'est un livre que ça faisait longtemps que j'avais ce livre dans ma tête, mais je me disais, il faut que j'écrive ce livre, il faut que j'écrive ce livre. Mais pour une raison ou une autre, comme les raisons que toi tu implémentes souvent, je ne le faisais pas. Donc ce que j'ai fait, c'est juste créer l'image du livre et publier l'image du livre dans les réseaux sociaux. Comme ça, je savais que j'avais déjà dit au monde que j'allais écrire un livre et que les gens attendaient ce livre. Qu'est-ce que tu crois? Les gens ont commencé à commenter, les gens ont commencé à partager, les gens ont commencé à acheter le livre. Ce livre, avant même d'être écrit, une fois de plus, de l'idée à l'action. Qu'est-ce que tu vas faire après que tu regardes cette vidéo? Qu'est-ce que tu vas faire de différent? Quelle est l'idée que tu as dans la tête? Et comment tu vas matérialiser cette idée en prenant des actions? Pas demain, mais tout de suite. Applique-la. Bonne journée et succès.